Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de novembre, eh bien le soleil vous quitte pour le scorpion, qui est votre deuxième secteur. Un secteur qui est réputé matériel, hein. Ce sont les finances qui sont au premier plan, la façon dont vous les gérez, les rentrées, les sorties, les factures à payer. Évidemment, ça ne dure pas tout le mois, hein, puisque vous êtes concerné au fur et à mesure des jours, et ce sont surtout le deuxième et le troisième décan d'ailleurs, puisque le premier décan a déjà eu le mois dernier. Donc, soyez un petit peu prudent avec votre argent. Le scorpion, il a tendance à aller dans les extrêmes. Alors peut-être vous aurez une grosse facture à payer ou une grosse dépense à faire parce que vous devez remplacer un objet, un outil, quelque chose qui fonctionne plus et que, bah, ma foi, ça coûte. Et que, est-ce que vous avez l'argent? Est-ce que vous ne l'avez pas? Si vous ne l'avez pas, est-ce que vous devez emprunter? On se pose toujours beaucoup de questions en période de scorpion, de toute façon. Ça ira beaucoup mieux après le 22, quand le soleil occupera le Sagittaire, parce que votre priorité sera plus la communication, les échanges, les démarches, les petits déplacements. Ça bougera, il y aura du monde, des visites, vous aurez plein de rendez-vous, des nouveaux contacts, vous voyez. Ce sera beaucoup plus vivant sur le plan de la relation et c'est important pour la balance. Tout ce qui est relationnel est très important pour vous, donc ce sera plutôt une bonne période. Du côté de vos activités, nous avons un Mars en scorpion qui est conjoint au soleil d'ailleurs, et les deux sont opposés à Uranus. Alors c'est deuxième et troisième décan. Hein. Le premier décan n'est pas concerné par cette opposition qui peut créer un petit peu d'inconfort. Disons que, je sais pas, peut-être vous serez fait mal quelque part ou alors vous ne serez pas confortable là où vous habitez, dans votre domicile. Il peut y avoir des travaux de rénovation qui vont vous déranger au quotidien. Bon, ça va durer quelques jours, c'est pas du tout quelque chose qui va s'étaler sur tout le mois. Hein. Disons que Mars est assez rapide, que bon, c'est vrai que ça peut durer une quinzaine de jours. Hein. Je dis pas que ça va durer une demi-heure. Hein. Mais bon, à mon avis, c'est, je suis pas sûre que ça vous touche terriblement, sauf comme on l'a vu avec le soleil pour une question d'argent qui vous tomberait dessus, quelque chose de totalement imprévu à quoi vous vous attendez pas. Alors ça peut être dans le bon sens, hein, vous pouvez gagner au loto, comme vous pouvez avoir quelque chose à payer, c'était pas prévu au budget. Attention aussi à ne pas casser des objets. Hein. Avec Mars Uranus, on peut être maladroit. Donc, s'il y a des objets auxquels vous tenez, votre téléphone, je ne sais quoi, bon, faites attention à pas le manipuler de manière trop, trop brusque. Côté cœur, les amis, Balance, Vénus entre dans votre signe, le 8, c'est quand même, moi je pense que ça va atténuer un petit peu l'ambiance que je viens de vous décrire, parce que avec Vénus chez vous, vous débordez de charme, de gentillesse, d'ouverture, vous avez le cœur plus grand que d'habitude, vous aimez davantage. Évidemment, vous faites tout aussi pour qu'on vous aime. Il faut qu'il y ait de la réciprocité. Ça fait partie de votre personnalité, de votre tempérament. Vous avez autant besoin de donner que de recevoir. Bon, cela dit, la plupart du temps, vous donnez plus que vous recevez. Hein, ça, j'ai beaucoup de balances me disent ça. Mais je crois qu'il faut pas attendre hein, finalement de retour. Quand on donne. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, alors allez-y, hein, faites du charme le plus possible parce que c'est une période. Chaque fois que Vénus passe dans votre signe, et c'est une fois par an, et ben à chaque fois vous avez des possibilités de faire des rencontres. Après, selon votre thème, ça se passe bien ou ça se passe moins bien. Mais en tout cas, la possibilité est là. Essayez de vous intéresser à des personnes
qui sont libres, hein, ou avec qui il peut se passer quelque chose. Mais bon, vous pouvez aussi très bien vivre une relation dans votre tête, hein, puisque je l'ai dit déjà et je l'ai répété, la Vénus de la Balance, elle est plus cérébrale que la Vénus du Taureau. Donc, vous pouvez vivre tout à fait quelque chose de très agréable dans votre tête. Les meilleures journées du mois, le 5, le 14, le 19 et le 28, vous serez en phase avec, en harmonie, hein, avec la conjoncture. Et bon, ce sera peut-être le moment de sortir toutes vos armes de séduction massive. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, bon, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes. Ensuite, si vous voulez vraiment mieux vous comprendre, mieux connaître votre avenir en 2024, eh bien vous pouvez avoir une consultation avec Zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone. N'oubliez pas les réseaux sociaux, notre live du mardi soir et du vendredi, et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site celastro.com. Je vous souhaite un très bon mois de novembre.